Bah ouais, ici c'est Bastard, mais c'est légal pour le DZ Show, saison 2, avec Sa Majesté les Trous, votre boss, et moi-même Bastard. On s'en va rencontrer le meilleur rappeur immigrant de l'histoire du hip-hop québécois. Pourquoi immigrant? Parce qu'il vient de la ville de Québec et maintenant il habite dans le temps de Montréal. Johnny B. Hood, mais juste avant, on s'en va boire comme d'habitude. Donc on rentre à la SAQ. Pour ceux qui savent pas, quand on boit, c'est là qu'on va prendre les affaires. On va directement au paradis. Ça, suivez-moi. Vous savez, c'est du sérieux. On est passé au paradis. Dieu nous a servi. On se va checker Johnny B, man. Haradas. Vous laissez Johnny B Hood. Numéro 1. Yes, sir. What's good? This is show. You know what it is. Check out them boy. You've been on my crib. So that's the studio? Yeah, c'est pas MTV Cribs, mais, you know, it is what it is. T'as caché où de face le Gémeaux, là? Oh, je sais pas, man. C'est peut-être derrière l'ordinateur. This is show. Pas, saison 2, capsule 5, avec mon boy, mon associé, Johnny Business, a.k.a. Johnny B. Hood. Stack une grosse pièce, smack ta grosse face. So. Wow. Je sais que présentement, tu es en train de work sur tes shit, tu as un album que tu es en train de préparer, mais le plus important, tu es un excellent producer. Donc, j'aimerais que tu fasses entendre au monde peut-être deux, trois petits exclusifs qu'ils vont trouver sur ton projet. No doubt. That real shit. Parce que nous, on te comprend, on travaille avec le hardware, le software, avec tout en même temps. C'est avec quelle machine que tu travailles? Ben là, ça, c'est un clavier MIDI très, très, très régulier, tu comprends? Tu te regardes derrière toi, j'ai dans le studio, j'ai trois tables tournantes. Ouais, alors, dépendamment de ce que je fais, c'est comme je travaille avec une autre. Roland MC303, MPC 2000, dans la mine. That's what it is. Tu comprends? C'est vrai shit, man. Tu sais, juste pour donner peut-être un petit aperçu là, aux autres producers. Là, en train de sipper le juju, ça. Ouais, pour toutes les autres sont en train de. Au lieu de faire des vrais beats avec les vraies machines, ils sont en train de prendre leur souris, tu comprends, d'aller placer les notes, tu comprends, sur Fruity Loops, tu comprends, parce que c'est pas capable de faire de la vraie musique. Montrer deux, trois petits shit, tu comprends? Vas-y. Ça, c'est un fuck avec le software, tu comprends? On fuck avec, on fait du South, on fait du East, tu comprends? On fait du West. On fait du rap québécois à la fin de la journée, tu comprends? That's what it is. Ouais, non, c'est deux, trois autres shit comme ça, tu comprends? C'est juste pour écarrer les autres beatmakers qui ont pas de skills du tout. Comme qui? Tu comprends? Qui est pas bon? Ben, je vais pas nommer de nom, tu comprends? Parce que, tu comprends, à la fin de la journée, la musique, tu comprends, c'est un point de vue personnel, tu sais? Fait qu'à mon avis, les gars qui sont weak, tu comprends, sont weak pour moi, tu comprends? Pour d'autres, ils sont peut-être forts. Mais en tout cas, il y a un certain producer que je nommerai pas, qui fuck avec le MPC en tapant avec ses poignets. Un gars qui a aucun skills, que je vais pas nommer son nom, mais il se reconnaît ce patiné-là. See you when I see you, bro. Je te le dis, man. Tu talk shit, G. That's what it is. Un autre beat, real yeah. Talk. Good classics! Tu comprends? Je suis un peu plus émotionnel. Je vous montre un hit que j'ai fait avec mon boy ici. Tu comprends? Co-produce. Co-produce. Me and my nigga. Vous le savez pas, mais je commence et aussi à faire des skills beats. Skills de producer dans ce patiné là, hein? Je vous le dis, les gars. It's check coming. Excellent. Yo, what can we say more? So yo, il fait vraiment beau, man, on est D-Town. Okay. Fait que pourquoi gaspiller une belle journée dans le studio? On va aller continuer shit dehors, like we always do. Okay, on sait qu'il y a beaucoup de rappeurs à QC,
ou ailleurs, à l'extérieur de Montréal, qui sont beaucoup détestés, tu vois, par nous, les rappeurs montréalais, dont Izzo, qui était avec toi, qui a essayé de s'intégrer au mouvement hip-hop montréalais, mais ça n'a pas bien marché parce que tout le monde le trouve wack et tout, tout le monde trouve que c'est de la merde, qu'est-ce qu'il fait, personne veut collaborer avec lui à moins qu'il paye. Comment t'as fait, toi, Johnny B. Hood, pour bien t'intégrer au mouvement montréalais, tout en gardant ton swagger de Québec City? Très bonne question. Merci, Bestin. Faire une histoire courte. Québec, c'est une ville qui a, à la base, un swag différent de Montréal. C'est sûr qu'un rapper qui débarque de Québec, qui arrive ici, tu comprends, qui essaie pas, tu comprends, de s'intégrer, il sera pas accepté. Puis de l'autre côté, un rapper qui arrive ici, qui essaie trop de s'intégrer, qui essaie trop de, tu comprends, jouer la game, comme si il avait toujours fait ça, il va se faire aussi reject, tu comprends? Fait moi, c'est ça mon point de vue sur ça, tu comprends? Fait c'est toute une question même de bien faire qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Que je veux dire, under promise, over deliver. Si tu fais le contrat, t'es fucked. Mais pourquoi tu collabores plus avec Izzo maintenant? Yo, écoute, à la fin de la journée, tu comprends? Je veux dire, c'est comme n'importe quoi, tu sais, je veux dire, les amitiés, man, c'est comme un couple, c'est comme n'importe quoi, tu comprends, ça peut juste durer pour un certain temps, tu comprends, que je veux dire, c'est comme, le patinet, il était à la gauche, moi j'étais à la droite, il a fait des moves qui étaient, à mon avis, discutables, tu comprends, puis qu'à partir de là, quand t'es un homme, tu prends tes décisions, puis tu décides, ben, si toi tu restes là ou si tu bounces, tu comprends, que je veux dire, moi j'ai décidé de bounce, je suis 5 ans, c'est pour moi que ça, tu comprends, que je veux dire. Pasteur, lui, il fait ses shit, ça donne ce que ça donne. Tout le monde peut bien juger ça. Comment il veut juger ça? Moi, c'est comme, j'ai pas de commentaire à faire sur son shit. De la même manière que lui, dans la dernière nouvelle, il n'y avait pas de commentaire à faire sur mon shit. Fait qu'il est au délice à la fin de la journée. Fais qu'est-ce que tu fais, moi je fais ce que je fais. Moi je suis chou. Toi tu fais qu'est-ce que tu fais, puis t'es où t'es. Fait, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la fin de l'histoire, on veut pas. Tu sais, la vie, quand tu regardes le monde, tu vois, tu comprends, par la réaction des autres, si tes moves, c'était des bons moves ou des mauvais moves. J'étais arrivé ici, man, pour être le boss du magasin Fat Femme sur Sainte-Catherine, du boss de tous les magasins illicites au Canada, man. Ceux qui savent pas, man, c'est pour ça que j'étais arrivé ici, tu comprends ce que je veux dire? Puis le rap game est arrivé après ça, tu comprends? Parce que c'est arrivé comme ça que j'ai connu le rapper au magasin, tu comprends? Puis les gars, ils arrivaient, comme entre autres, Snagashi, une fois qu'il est rentré dans le magasin avec les autres gars de Cream Squad, tu comprends? Ils ont entendu les beats que je faisais dans le magasin, puis les gars ont donné du respect, tu comprends? Parce que le shit est real, tu comprends? Fait que c'est comme ça que des fils dans l'écurie, les affaires sont arrivées, que tu comprends? Je suis au je fais ce que je fais avec le monde avec qui je le fais, tu comprends? Je peux arriver un matin, planter mon drapeau, dire je suis XYZ et je fais telle affaire, tu comprends? J'ai attendu que le monde voit qu'est-ce que je fais, tu comprends? Puis à ça, le monde te donne du respect. Mais tu t'es très bien intégré, tu sais, on voit ce que tu fais maintenant avec Star Status, avec ATM puis tout ça, man, c'est quelque chose de solide. C'est une question de bien faire le move, comme je t'ai dit, man. C'est, comme, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, tu comprends? Non, mais c'est parce que quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui arrive ici, doit s'intégrer et pas venir essayer de dire « Regarde, moi je suis le king, moi je fais ci, moi je fais ça », d'ailleurs que ta musique est très mauvaise en passant. Donc si ta musique est mauvaise, que t'as l'air d'un fécasse, écoute bien, il y a beaucoup de monde à Montréal qui vont juste avoir le goût de prendre une bouteille comme ça et puis de te l'écraser sur la tête. Ça t'est arrivé une fois, ça peut t'arriver encore. Je sais pas que c'est moi nécessairement, mais il y a beaucoup de gars qui sont chauds à Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc calme-toi ou sinon retourne à Québec parce qu'on n'a même pas besoin d'entendre la merde que tu fais, mon ami.